Bonjour, chers élèves, dobardan, dragi učenici, i dobrodošli na nastavu francuskog jezika za početnike. Ja sam učiteljica francuskog jezika i danas ćemo govoriti o svojoj kući. Ma maison. Odgojno-obrazovni ishodi. Dragi učenici, kroz današnju lekciju naučit ćemo imenovati i napisati prostorije u kući. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier, un crayon, une gomme, un ordinateur. Sljedeće ikonice uputit će vas na određene aktivnosti. Écoutez, poslušajte. Répétez, ponovite. Écrivez, zapišite. Jouez, zaigrajte. A sada, dragi učenici, krenimo na našu lekciju. Ma maison. A sada, dragi učenici, poslušajmo Ivana koji će nam opisati svoju kuću. Bonjour, je m'appelle Jean. Aujourd'hui, je vous présente ma maison. Dans ma maison, il y a 7 pièces. U mojoj kući ima 7 prostorija. Écoutez, répétez. Un salon. Écoutez, répétez. Une cuisine. Écoutez, répétez. Une salle à manger. Écoutez, répétez. Deux chambres. Ma chambre. La chambre de mes parents. Écoutez, répétez. Une salle de bain. Écoutez, répétez. Un garage. Écrivez. Pour cette activité, vous avez besoin d'un crayon, une gomme, un cahier. Écrivez, zapichite. Ma maison. Un salon. Une cuisine. Une chambre, une salle de bain, une salle à manger, un garage. Les activités. Sada, dragi učenici, pređimo na vježbe. Activité 1. Écoutez la chanson, puis complétez les mots manquants. Poslušajte pjesmu i ispunite riječima koje nedostaju. Aktivnosti možete pristupiti putem poveznice
ili putem QR koda. Poveznica glasi http://bit.ly/mai-son1. Bonne chance, sretno. Activité 2. Écoutez et devinez si c'est la maison de Paul ou d'Alice. Poslušajte i pogodite je li ovo Paulova ili Alisova kuća. Paul. Dans ma maison, il y a une chambre, une cuisine, une salle de bain, un salon et un garage. Alice. Dans ma maison, il y a une cuisine, une salle de bain, deux chambres, un petit salon et un garage. A sada pogledajmo, dragi učenici, čija je ovo kuća. Paulova. C'est la maison de Paul. Bravo. Activité 3. Regardez l'image et dites quelle pièce de la maison est sur l'image. Pogledajte sliku i recite koja prostorija je prikazana na slici. Qu'est-ce que c'est? Što je to? Une chambre, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Što je to? Un salon. Idemo dalje. Qu'est-ce que c'est? Une salle à manger. Qu'est-ce que c'est? Une cuisine. Bravo, chers élèves. A sada, dragi učenici, odaberite lika koji najbolje opisuje vaše stečeno znanje kroz današnju lekciju. Dragi učenici, pohvaljujem vaš trud i do sljedeće lekcije. Au revoir!